Bonjour et bienvenue un peu plus de War Tales. Donc je voulais tester la dernière donc arène, donc la plus difficile. Je l'ai déjà faite plusieurs fois en difficulté extrême et en version difficile. Mais je voulais la tester avec notre nouvel arrivant dans l'équipe. Bon, maintenant ça fait un petit moment qu'il est là, mais c'est le tireur en fait, le tireur sociopathe. Voir un peu ce qu'on peut en tirer de lui du coup, vu que c'est un tireur. Ah, on y va. C'est parti. Donc on va prendre donc commando mortel qui est le plus difficile à faire et on va changer et on va tester notre tireur. Ok, très bien. On n'est pas full bravoure mais c'est pas trop grave, ça devrait aller. On va voir un peu ce que ça nous donne. Donc la plupart du temps il va falloir le jouer en premier en fait. Alors Ghost ne doit pas subir de dégâts, bah c'est parfait. Quand on a deux joueurs, ça va, c'est bien. On va se mettre un peu au milieu. On va faire ça, voilà, 1468. C'est pas mal, mais je pense qu'on pourrait faire mieux, honnêtement. Ouais, je pense qu'on pourrait faire mieux. On va pas tirer à 3. Sinon, il faudrait qu'on bouge. Non, on va rester comme ça pour le moment. On va s'engager. On va faire provoque. Très bien, je vais voir un peu les dégâts. Ok, très bien. Parfait. Nickel. 143 alors que on a fait provoque. Hein. Donc c'est pas simple. Alors ce qu'on va faire c'est cri de guerre. Voilà, très bien. Ok, bien. Deuxième combattant. Alors c'est bien parce que lui il a gagné inspiration parce que il se désengage en fait. Alors Dua ne doit pas se déplacer. Eh merde. 1564. C'est pas mal. Okay, très bien. C'est embêtant parce qu'on peut pas complètement détruire l'armure. Si on pouvait complètement détruire l'armure, en fait, on ferait une huile qu'il a sur l'arc. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, Dua ne doit pas se déplacer. Du coup, c'est toi qui vas le faire. On va le provoquer aussi. C'est bien, on a repris notre point. Ça va, il a pas fait mal. On va se mettre là. De toute façon, on va pas faire grand chose là. Très bien. Chaque combattant doit finir son tour au contact d'un ennemi. Parfait, ça le tue. Ok, maintenant le tour de l'archer. Donc pareil, encore une fois. C'est bien parce qu'à chaque fois on en a deux. Chaque commande doit faire son tour au contact d'un allié. Rare, saignement, très bien. Alors, toi tu as... au contact d'un allié. Ah, l'archer il nous embête un peu là en fait. Je pense qu'on va devoir booster leur déplacement, je suis pas sûr. Elle pourra pas y aller et revenir en fait. 12 mètres, elle est à 13 mètres de déplacement, elle est à 22 mètres. Ah, c'est embêtant ça par contre. Toi t'as 15 mètres de déplacement parce que t'as pas inspiration. Est-ce qu'on pourrait mettre inspiration maintenant? Mais ça serait un peu du gâchis je pense. On va voir. Très bien. On va remettre cri de guerre.
Très bien. Ok, maintenant tu as... Maintenant tu peux te déplacer. Ça fait un peu cher en dégâts, mais... Ok, très bien. Le dernier. Chaque combattant doit se déplacer. Joli. Ouh, l'huile infectieuse, très bien, donc il va vite crever. Il va très vite mourir. Je crois qu'on va déclencher le trompe-la-mort maintenant. Peut-être un peu exagéré, mais ça va. Ok. Duan ne doit pas subir de dégâts. Ouh, ça va être chaud. Je pense qu'on va se mettre là avec elle. Voilà, très bien. Ouh, on a eu de la chance, cool. Très joli. 800. Ben on va faire ça. Ok. On va provoquer comme ça. Duan ne devrait pas être ciblé. Voilà, très bien. Alors maintenant ça va être lui. On a 1400. Très joli. Alors, Duan ne doit pas subir de dégâts. Est-ce qu'il pourrait le tuer? Ça va être chaud hein, de le tuer en fait. On va voir. On va pas se désengager évidemment, ça sert à... Parce que si jamais on se prend un coup, c'est mort. Lui, il va pas toucher directement les gens, donc c'est pas très grave. Voilà. Et normalement, on pourrait peut-être le finir avec elle. Voilà, très bien. C'est du très beau. C'est du très beau. Tous les ennemis doivent subir des dégâts. Ok, ça va, c'est pas très compliqué. Alors, toi, est-ce que tu as... Non, tu as strictement aucun debuff. Très bien. Très bien. C'est bizarre, tu prends rien du tout en dégâts. Je suis sûr qu'il y a un petit problème. Lui, il met des pièges comme d'habitude, c'est pas vraiment grave. Alors, du coup, on peut pas faire de critique. Mais c'est pas trop grave. Toi, tu vas. Toi, on va te tirer dessus. Ah, très bien.
275. Ouais, c'est bon, t'es mort. Très joli. On va le finir pour éviter de perdre trop de dégâts. Même si ça coûte un peu de bravoure. On en a encore 6 qui est très potable. Alors on va remettre ça à tout le monde. Ah, on n'a pas récupéré de bravoure. On a quasiment plus de bravoure. C'est embêtant. Reste 3. Laura ne doit pas se déplacer, ça marche. Ah, c'est bien, on risque de gagner 2, je crois. Ah, ça va être chaud. Bon, on ne gagnera pas 2. Alors. On va le finir. Ah, je crois qu'elle avait encore un tour de critique. Elle aurait dû peut-être pas jouer. Ah, je sais pas. Je pense qu'elle va perdre sa frénésie, en fait. C'est pas très, très grave. Ouais, du coup, elle a plus la frénésie. Non, ouais, c'est bête. J'aurais dû penser à ça. Alors, 1612. Très bien. Alors, chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un ennemi. Okay, ça. Alors, ça va être un peu chiant de se déplacer, mais c'est pas grave. Ah, tout le monde s'est pris des dégâts, c'est pas grave. Provoque, publissement. Très bien. Kill him. À chaque fois on entend ça. Très bien, fragilité avec ça, ça va faire du bien. Et on va se mettre là. Ah, on est très très serré là hein, par contre. Ah, je vais pas pouvoir faire l'attaque d'Awe, je pense pas. On va juste se mettre derrière et on va faire ça. Très joli. Très joli. Ah, on a fait un round. Ouais, on a fait un round, ok. Parti, round 2. Ok, très bien. Donc chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Galère ça encore. Ok, saignement. Je sais pas si je peux la toucher. Ah, peut-être que je peux en fait. C'est juste un peu compliqué, mais. Attends. Ça passe. Alors, chaque compagnon doit finir autour son tour au contact d'un allié. Ça va. Très bien, il nous faut un gros tir. Alors là, ce qu'on va faire, c'est 13 mètres. Ah ouais, mais, du coup, si je m'éloigne... Ah, c'est embêtant.
Faudrait que je m'éloigne, mais faudrait pas que je m'éloigne trop. Oh merde. Sinon, Ghost sera mis hors d'état de nuire. À la limite, je peux sacrifier Ghost. On va sacrifier Ghost. Voir, on est à 1313, ça va être un critique automatique. Très bien. Très bien, du coup il a mis de l'huile infectieuse à 271. On lui a défoncé toute son armure, enfin son armure spéciale là. Ok. On aurait pu d'abord faire le tir normal. J'ai un peu merdé dans ce cas-là. J'aurais pu faire le tir normal en premier, puis après le tir spécial. C'est vrai que je pensais tellement à faire le tir spécial qu'au final, j'ai pensé qu'à ça, quoi. Très bien, c'est bon. Je me suis mis derrière pour augmenter les critiques, en fait. Ouh, joli! On a tapé au lieu d'en subir un. Et hop là. On est bon. Bon, bah, résultat des courses, c'était très très propre. Ah, ça m'a coûté beaucoup de fatigue, c'est bien. C'est très propre, ça a été très propre. Il y a juste le dernier round. J'aurais pu en fait faire le tir d'ouverture, même si ça fait pas de critique, ça aurait fait quand même quelques dégâts. Et après le tir de visée extrêmement loin en fait, à l'autre bout de l'arène. Donc ouais. Non, honnêtement, il est très bien. Il est très très bien. J'aimerais bien en fait qu'il fasse un peu plus de dégâts pour en fait détruire les armures. Il fait dans les 1500. Et je crois qu'ils ont 1700 d'armure en fait. Donc du coup, bah, ça passe pas. Mais ça serait bien, ouais, ça serait bien que ça passe. Du coup, parce qu'il y a l'huile infectieuse en fait qui va se déclencher. L'huile infectieuse, si je dis pas de bêtises, elle se déclenche pas s'il y a encore de l'armure en fait. Il faut taper la vie. Il faut taper la vie. Donc chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance d'appliquer un statut infligeant les dégâts égaux à 50%. Donc si vous faites 1000, il y aura 500 quand même de points encore après. Donc ouais. Donc ouais, c'est le seul problème. En tout cas, on va s'arrêter là. C'était juste une petite démonstration, encore une fois, avec une autre équipe que j'ai jamais en fait et j'ai jamais testé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouvera la prochaine fois. Encore une fois, regardez la playlist si vous voulez plus de Wartell. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.